le début du mois d'octobre se tient à rome la deuxième assemblée spéciale du synode des évêques pour l'afrique une assemblée spéciale qui fait suite à la première qui s'était tenue en 1994. Celle-ci est le fruit d'un long travail, d'abord des communautés locales qui ont remonté un certain nombre d'observations vers le Vatican. Le Vatican s'en est saisi et peut-être vous en souvenez-vous à l'occasion de son voyage en Afrique en mars dernier. Le pape Benoît XVI a remis à son tour aux évêques du continent africain l'instrumentum laboris, autrement dit l'instrument de travail préparatoire pour cette assemblée synodale. Un instrument sur lequel, là encore, les communautés locales et les évêques en particulier ont travaillé avant ces trois semaines de rencontres quotidiennes qui s'achèveront le 25 octobre. Cette deuxième assemblée spéciale du synode des évêques pour l'Afrique a pour thème l'église au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Alors l'église en Afrique, parlons-en. Aujourd'hui, avec nos invités, Mgr Victor Tonier Bakot, bonjour. Bonjour. Vous êtes archevêque de Yaoundé au Cameroun et président de la Conférence des évêques du Cameroun. On aura l'occasion, notamment avec vous, de reparler un peu de cette visite de Benoît XVI que vous avez accueillie en mars dernier. Avec nous également, M. Edem Koudjo, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va pas pouvoir donner tous vos titres. Vous faites partie des 49 auditeurs de ce synode. Vous êtes notamment dans la vie professeur de patrologie à l'Institut Saint-Paul de Lomé, mais vous êtes aussi représentant de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous avez été premier ministre du Togo. Vous avez été secrétaire général de l'OUA et également gouverneur du Fonds monétaire international. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous encore le père Joseph Ballon. Bonjour mon père. Bonjour madame. Merci beaucoup d'avoir euh, vous aussi accepté ce, ce rendez-vous. Vous êtes togolais comme monsieur Kodjo, vous êtes prêtre diocésain à l'origine et vous êtes responsable des programmes en français pour l'Afrique de Radio Vatican. Vous êtes aussi l'interlocuteur de la presse francophone pour cette deuxième assemblée spéciale du Synode pour l'Afrique. Tout à fait. Alors on va parler ensemble d'un grand nombre de sujets de l'actualité de l'Église en Afrique, mais d'abord je vous propose de revenir en image sur ce qui s'est vécu dans votre pays, monseigneur, au Cameroun du 17 au 20 mars dernier. C'était la première étape africaine de Benoît XVI. On revient en image sur cette visite avec Frédéric Jakovlev. C'est une brume tropicale qui attendait Benoît XVI lors de son arrivée à l'aéroport de Yaoundé. Une brume tropicale et une nuée de photographes. En Afrique, même pour une visite officielle, le protocole est parfois malmené. Le souverain pontife est pourtant détendu malgré la chaleur. Ce voyage en Afrique, le premier de son pontificat, il le prépare depuis des mois. Dans l'avion, il vient de prononcer, sous l'œil médusé des journalistes, une petite phrase sur l'usage du préservatif. Une petite phrase qui va créer la polémique, faire couler tant d'encre en France. Une petite phrase qui occultera sans doute pour beaucoup. D'autres discours bien plus virulents, ceux-là. Car si à Yaoundé, Benoît XVI est accueilli en chef d'État, il est d'abord un pasteur. Alors il poursuit sa mission, celle de l'évêque qui rappelle inlassablement le message des évangiles. Face à la douleur ou à la violence, à la pauvreté ou à la famine, à la corruption ou à l'abus de pouvoir, un chrétien ne peut pas se taire. En quelques mots, Benoît XVI donne le ton. Ce voyage en Afrique est placé sous le signe de la morale et de la foi. Un peu plus tard, devant plus de 60 000 fidèles réunis pour la messe, il rappellera au cours de son homélie le rôle missionnaire de l'Afrique. L'Afrique est appelée à l'espérance à travers vous et en vous. Avec le Christ qui a foulé le sol africain, l'Afrique peut devenir le continent de l'espérance. Le continent de l'espérance. A ce titre, pour cette première visite en Afrique, le Cameroun n'a pas été choisi au hasard. 50% de la population est chrétienne, 20% sont musulmans. 250 ethnies cohabitent dans la paix. Selon les propres mots de Benoît XVI, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Et lorsque Benoît XVI remet aux évêques le document de travail du prochain synode pour l'Afrique, il salue sans doute aussi l'harmonie, la paix qui règne dans ce pays. Dans l'après-midi, le Saint-Père s'est rendu au centre des handicapés de Yaoundé. Un par un, il a béni les malades. Une nouvelle fois, il a salué l'Église locale, son engagement auprès des plus faibles, son œuvre missionnaire. Il y a quelques jours à Rome, lors de la messe d'ouverture du synode pour l'Afrique, Benoît XVI a qualifié le continent noir de poumon spirituel. Souvent accusé d'eurocentrisme, il a placé l'année 2009 sous le signe de l'Afrique. Une façon de dire au monde son espérance, un message qu'il envoie à cette population la plus pauvre de la planète. Le lendemain, Benoît XVI s'envolait pour l'Angola, une autre réalité africaine. Monseigneur Tony Bacotch j'imagine que ces images ravivent beaucoup de souvenirs pour vous. D'excellents souvenirs, d'autant plus que le Saint-Père lui-même, à la messe d'ouverture de cette Assemblée spéciale, a dit qu'il garde de son voyage au Cameroun un souvenir agréable et ému. Quant aux Camerounais et aux Angolais, je crois que ça a été un très grand moment de rencontre. Un grand moment de, de grande liesse, un moment de joie, un moment d'espérance avec le passage universel de pape Benoît XVI. Alors, euh, le, le reporter Frédéric Jakovlev le rappelait malheureusement en Occident, euh, les propos sur le préservatif ont presque volé le voyage, c'est-à-dire qu'on a parlé essentiellement de ça et pas de ce qui se passait pendant la visite de Benoît XVI. Pourtant, euh, j'y étais comme le père Ballong. La joie des populations et les milliers de personnes massées sur le, le passage de la papa mobile était très très impressionnant. Impressionnant et à la limite. Euh ça pouvait faire rêver, parce que pour nous, c'était un temps de prière, de méditation, un temps qui ouvre à l'espérance chrétienne. Effectivement, les médias occidentaux ont beaucoup insisté sur le préservatif, une façon de nous voler cette belle visite. Mais pour nous, nous sommes restés rivés sur l'essentiel, cette prière. Cette dynamique missionnaire que le pape Benoît XVI a ouverte et qui nous donne aussi la joie de nous retrouver ici à Rome où nous sommes chez nous en tant qu'église d'Afrique, mais une église où de beaucoup de représentants d'autres continents sont présents, ce qui montre que ce synode a une dimension universelle. On l'a beaucoup dit, ce n'est pas un synode de l'Afrique, c'est un synode qui concerne. Toute l'église et où on, on réfléchit et on échange sur l'Afrique. Père Balong, vous étiez euh, vous aussi à, à Yaoundé pendant la, la visite du Saint-Père. Quel souvenir vous en gardez ben, Comme vient de le souligner Monseigneur Tonya Bakot, euh, j'en garde un souvenir merveilleux. Même si ce n'est pas mon premier voyage avec le souverain portif, c'était peut-être un douzième voyage, j'ai eu l'occasion et l'honneur d'accompagner le serviteur de Dieu Jean-Paul II au cours de dix voyages en Afrique. Mais à chaque fois, c'est un, une nouveauté. C'est la deuxième fois que j'allais en Afrique avec le pape. La première fois, c'était effectivement pour rendre public. L'exhortation post-synodale Ecclesia in Africa, qui pour la première fois, un document pontifical a été signé et publié sur le sol africain. Et c'était donc. Ça, c'était après le synode de 94. Exactement, exactement. Mmh. Et vous vous rappelez aussi que la, la pratique des synodes spéciaux, c'est l'Afrique qui a donné le ton. Mmh. Le, le premier synode spécial pour l'Afrique, c'était, et ça a été donc le premier synode pour, dans l'Église, pour un continent. Après, on suivit le synode pour l'Europe, le synode pour l'Asie, le synode pour l'Amérique. Donc, j'en garde vraiment un souvenir, un souvenir merveilleux, un souvenir plein de, 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 de profondeur parce que j'ai vu les, la foule de ces personnes qui étaient là à la messe, aux différentes rencontres, mmh. venaient d'abord avant tout pour prier avec le pape et accueillir le message qui voulait bien le, leur délivrer. Alors, on a beaucoup lu ici ou là, notamment avant ce voyage, que Benoît XVI était un pape très européen de fait et que peut-être sa rencontre avec l'Afrique serait difficile. Vous avez le sentiment qu'il, la rencontre a fonctionné. Mais le pape, euh, le pape Benoît XVI est un Européen, c'est un Allemand, mais c'est le père de l'Église universelle, donc c'est le père de l'Afrique. C'est le père de, 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 de l'Église qui se trouve en Europe, de l'Église qui se trouve en Afrique, de l'Église qui se trouve en Amérique. Donc il doit se faire tout à tous. On, on avait dit que le pape Jean-Paul II, certainement avec l'histoire, méritera le nom de Jean-Paul II l'Africain. Donc je pense que le pape, en tant que eh, chef de l'Église universelle, eh bien, il s'identifie avec chaque continent, il, il s'identifie avec chaque peuple, mmh. chaque portion du peuple de Dieu. Un dernier mot sur ce voyage précisément, monseigneur Tony Bakot. qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui dans vos communautés Le souvenir que nous gardons de ce voyage, c'est une vraie paix intérieure. Le pape Benoît XVI a parlé au cœur des Africains et leur a dit qu'il fallait suivre les pas du grand missionnaire Baba Simon qui a séjourné au nord et qui est mort pour cette population qu'il est allé évangéliser. Le pape Benoît XVI nous a parlé de la grande figure de Saint Joseph. Le pape Benoît XVI est allé rencontrer les malades pour nous montrer qu'il faut être proche de ceux qui souffrent, des marginalisés, dans une grande spiritualité qui est allé au cœur des de, de Camerounais et de tous les Africains. C'est un pape qui est proche de tous. Alors, même si on appelle souvent le Cameroun l'Afrique en miniature, on ne va pas parler que du Cameroun dans, dans cette émission. Euh, on va s'intéresser à, à, à l'ensemble de l'Afrique et pour peut-être prendre pied un peu avec la réalité de la mission de l'Église en Afrique, je vous propose d'écouter le Père Lambomiste, un prêtre togolais. La mission au, au Togo. Dans mon diocèse particulièrement, il y a le, le problème de, de l'alphabétisation. Le peuple en général, la population en général, beaucoup ne savent, pas, beaucoup ne savent ni lire ni écrire. Et il y a ce problème. Mais en général, on arrive avec la langue locale à les atteindre. Le gros problème aussi, comme les uns ou les autres l'ont souligné, c'est le problème de, de pauvreté. Excusez-moi d'en parler, mais quand même, il y a une certaine difficulté à ce point que certains croient qu'en venant dans l'Église, c'est une certaine promotion. Je crois que ça n'existe pas ici, ça n'existe plus ici, mais... Chez nous, c'est ça. Et là, ce qui fait que souvent, on ne sait pas qui a la vraie foi et qui n'en a pas. Donc, il y a la question d'enracinement de la foi, la profondeur de la foi. Sinon, les conversions se font toujours de plus en plus nombreuses, surtout dans la population jeune, mais aussi dans la population paysanne les gens de la religion traditionnelle abandonnent et ils deviennent chrétiens mais il faut dire aussi que le problème de syncrétisme, de double pratique existe. La plupart des gens sont en même temps chrétiens et en même temps ils vont pratiquer leur religion, la religion de leurs ancêtres et tout voilà, donc c'est ces problèmes qu'on a, mais on essaie avec la grâce de Dieu et puis avec l'effort de, de chacun de nous de pouvoir relever le défi. Voilà, à l'instant, des propos qui concernent pas seulement la réalité du Togo, mais la réalité de, de nombreux diocèses et nombreuses communautés en Afrique, avec des difficultés qu'évoquait le Père l'alphabétisation, la question de, de la pauvreté. Euh, monsieur Kodjo, euh, ce sont des, des obstacles aujourd'hui qu'on va pouvoir surmonter ce sont des obstacles qu'on doit pouvoir surmonter. Parce que ce synode euh, euh, s'est penché euh, de manière déterminante sur toutes les questions relatives aux difficultés que connaît le continent africain. Et ces difficultés sont d'ordre social, comme le père vient de le dire, concernant l'analphabétisme, la pauvreté. Euh, et euh, euh, un certain nombre de manques fondamentaux qui font que les populations sont dans une situation difficile. Mais ces difficultés sont aussi d'ordre, euh, je dirais, euh, de pratique politique. Et le synode s'est également euh, penché sur toutes ces questions. Comment se fait euh, que, euh, entre deux synodes, on constate, certes, que le nombre des chrétiens a considérablement augmenté euh, en Afrique, mais que les pratiques euh, euh, politiques n'ont pas tant évolué que cela. Et que même dans certains cas, on a le sentiment d'une résurgence d'un certain nombre de choses que l'on croyait oubliées à jamais, et ces tentatives de coup d'État, ces euh, massacres de population, euh, on l'a vu encore tout récemment dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Euh, tout cela a interpellé les pères synodaux et toute l'assistance, ils ont essayé de comprendre pourquoi et ils ont découvert que probablement euh, la foi chrétienne de ceux qui font, participent à la chose publique est une foi certes valable mais qui a besoin d'être accompagnée d'être approfondie de sorte que les gens mettent en cohérence leur vie et leur foi Sinon, on aboutit à ce que le père, le père qui vient de parler a dit, à savoir cette espèce de double appartenance. Au fond, on est bien catholique, on est bien croyant, on est pratiquant. Et puis, quand les circonstances sont difficiles, on a tendance à aller voir de l'autre côté. Et tout cela, les pères Sinodo en ont parlé et estiment qu'il faut vraiment redoubler d'efforts pour que la foi s'enracine davantage. Euh, au cœur de, 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 de tous les chrétiens. Vous qui avez été un, un grand serviteur du bien commun euh, dans votre pays, mais, mais plus largement euh, pour, pour ce continent, vous avez le sentiment que l'Église peut être un acteur déterminant pour euh, contribuer à l'éducation au bien commun, justement Mais l'Église est un acteur déterminant, sinon essentiel, parce que c'est au niveau du cœur de l'homme que se situe le problème. Et c'est les cœurs qu'il faut changer. Et pour changer, changer les cœurs, il faut vraiment sensibiliser les uns et les autres à la parole de l'Évangile, qui est une parole d'amour, euh, une parole de dévouement, une parole de, 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 de lutte contre les injustices, une parole de, de, euh, euh, de, 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 de soutien aux plus pauvres. L'option préférentielle pour les pauvres, tout cela me paraît être des fondamentaux de l'Église catholique. Et tout cela se trouve dans la doctrine sociale de l'Église. Et c'est parce que cette doctrine sociale de l'Église n'est pas suffisamment enseignée, n'est pas connue, n'est pas divulguée, que l'on assiste à un certain nombre de, de pratiques qui sont encore répréhensibles. Ça veut dire, euh, Monseigneur, qu'il y a un véritable enjeu pour les Églises d'Afrique dans la formation des laïcs il y a un véritable enjeu pour la formation des laïcs, comme vient de le rappeler le Premier ministre tout à l'heure. Il y a un problème d'éducation. Et le document qui a été publié il y a quelques années, et le compendium sur la doctrine sociale de l'Église, est un document qui devrait constituer une référence pour tous les chrétiens et même pour tous les pasteurs. La formation des, des chrétiens, ce n'est pas seulement le compendium, mais c'est aussi tout ce qui est catéchèse, tout ce qui concerne la famille, tout ce qui concerne l'éducation des enfants, tout ce qui concerne le développement, l'économie, la politique. C'est dans tous ces domaines qu'il faudrait éduquer nos laïcs qui, du reste, ont déjà reçu une formation qu'il faudrait à continuer d'accompagner, approfondir et parfaire. Il y a beaucoup d'enjeux de, beaucoup que les Pères Synodaux ont, ont évoqués au fil de ces journées de, de travail au Synode. Père Ballon, par exemple, la, la place et la participation des femmes dans les communautés locales, la place des jeunes aussi Effectivement, les Pères Synodaux ont insisté beaucoup sur le rôle et l'importance de la femme dans la vie de la société et dans la vie de l'Église. Et souhaiter qu'elles aient des postes de responsabilité au niveau de l'Église, dans le pouvoir décisionnel et dans le pouvoir de, de planifier la pastorale dans l'Église. Dans Donc il faut leur donner plus de place parce qu'elles ont un charisme spécifiquement féminin qui peut contribuer à... À apporter beaucoup de solutions aux défis que les pères synodaux ont affrontés. Et puis il y a également le problème des jeunes. Et là, ils ont insisté sur l'importance de la famille. La famille comme lieu d'éducation et lieu d'éducation à la réconciliation, d'éducation à la paix et d'éducation à la justice. Parce que c'est dans la famille que nous sauvons les éléments rudimentaires de la vie sociale. D'où l'importance de la famille. Donc une famille, comme ils l'ont rappelé, constituée du père, de la mère et des enfants. C'est un modèle familial qui est euh, fragilisé aujourd'hui en Afrique Tout à fait. C'est un modèle familial qui est très fragilisé par un certain nombre aussi d'idéologies qui sont venues de l'extérieur et face aussi à l'effritement des valeurs euh, proprement africaines, authentiquement africaines. On a, on a parlé de la culture africaine. On parle de... Des, des, des Africains adeptes de la religion traditionnelle qui le plus souvent, se convertissent au catholicisme, mais ces personnes là sont porteuses de la culture africaine que' une fois adhérées à la religion, doit pouvoir être purifiée par la, la force de l'évangile et pénétrer les cultures et la culture africaine doit également pénétrer l'évangile comme l'a souligné le pape Benoît XVI. Ça a, ne pas pas dire faut, pardon, ça veut pas dire qu'il faut que euh, les cultures traditionnelles d'Afrique disparaissent Pas du tout. Mais, vous savez, c'est une, une personne a une culture. Une personne sans culture n'est pas une personne. Donc si les cultures africaines disparaissent, eh c'est l'Africain qui disparaît lui-même. Donc il ne, il ne lui restera... Qu'est-ce qu'il qu aura à apporter au Christ quand il accueille la parole de Dieu il apporte ce qu'il a comme culture. Et les cultures africaines font partie du don de Dieu. Donc on ne peut pas aller devant Dieu les mains vides en se débarrassant de ce que Dieu nous a donné en nous créant. Ce, ce danger de s'éloigner de, de la culture traditionnelle africaine, remplacée par de nouvelles valeurs et en particulier par le matérialisme, euh, c'est quelque chose que les pères synodaux ont, ont beaucoup discuté, Monseigneur oui, les pères dos ont beaucoup insisté sur le danger que représente le matérialisme, mais aussi le relativisme et le fondamentalisme, autant de mots que le pape Benoît XVI a relevés dans son homélie. Nous devons prendre conscience que aujourd'hui. Beaucoup de menaces viennent de l'extérieur, comme l'a rappelé le père Joseph tout à l'heure. Nous devons être très vigilants et nous armer pour ne pas nous laisser envahir et nous laisser voler cette belle culture africaine faite de partage, d'entraide, de solidarité, d'amour et de reconnaissance de l'autre comme personne humaine. Les valeurs de la vie, nous pensons que ces valeurs devraient être d'ailleurs promues, enseignées et pratiquées. Mm. Je vous vois hocher la tête, euh, approuver Monsieur Kojo. Oui, j'approuve parce que euh, l'un des grands soucis des pères Sinodo a été de protéger la famille euh, africaine qui paraît menacée dans sa constitution, dans sa composition et euh, dans son avenir par tout ce que euh, euh, monseigneur a souligné, ce que le père Ballon a évoqué. Euh, je crois que euh, l'Afrique et les Africains ont intérêt à, à préserver un certain nombre de leurs valeurs fondamentales. Mmh. Tout n'est pas forcément bon dans les cultures africaines. Il faut euh, laisser tomber ce qui n'est pas bon, et il y en a, mais il faut savoir privilégier ce qui est bon, et il y en a beaucoup. Il faut s'éloigner de la culture de la mort. Pour s'attacher à la culture de la vie, il faut euh, d'une manière ou d'une autre faire en sorte que les Africains euh, prennent conscience de plus en plus de leur propre identité. Et euh, cela aussi a été souligné, euh, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra construire l'Afrique à notre place. Euh, nous ouvrons les bras, nous accueillons tout le monde euh, avec fraternité et amitié. Mais le, le, le devenir du continent africain, c'est nous-mêmes qui devons le prendre à bras le corps, le malaxer et en faire une argile qui, que le potier va utiliser pour faire son pot. Alors, on l'a dit, cette deuxième assemblée spéciale du Synode, elle a un thème bien précis. C'est l'Église au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. On va en parler dans un instant. On écoute d'abord Pierre Diarra, il est le rédacteur en chef du journal Mission de l'Église, des œuvres pontificales missionnaires. Alors, il y, a, il y a les enjeux qui sont liés au synode, qui sont très importants. Euh, tout ce qui concerne la réconciliation, la justice et la paix, parce que euh, les responsables de l'Église et même euh, les chrétiens, euh, les laïcs engagés, sont conscients qu'il y a énormément de difficultés pour vivre cette communion que euh, l'Évangile nous demande entre les ethnies, entre les, les, les groupes, les familles, les pays donc euh, l'enjeu réconciliation et puis il y a des problèmes de, de justice des problèmes d'injustice aussi euh, et on essaie de voir comment est-ce que l'Église peut donner un coup de pouce pour que certains groupes euh, certaines régions dans certains pays ne soient pas oubliés et qu'on travaille vraiment pour la justice et la réconciliation comment est-ce que par exemple je peux ouvrir les frontières familiales ou même ethniques quand je me dis chrétien comment est-ce que mon frère qui peut-être traditionnellement ne fait pas partie de ma famille et qui est devenu mon frère grâce à Jésus-Christ. Comment est-ce que je peux intégrer ça dans ma vie quotidienne et vivre quelque chose qui ressemble à la justice, à, à la communion, pour que justement les, les chrétiens, ils ne continuent pas à, à s'enfermer, sans s'ouvrir. C'est un peu la dimension, euh, la dimension évangélique. C'est-à-dire, on est chrétien et du coup, ben, il y a certaines frontières qui doivent bouger, il y a certaines manières de faire qui doivent changer au nom de Jésus-Christ. Des propos recueillis par David Milia et Sibylle Delettre. Monsieur Kodjo, la réconciliation, la justice et la paix sont les trois enjeux prioritaires pour le continent africain. Aujourd'hui, je crois que tout le monde constate que cette trilogie est, est fondamentale. La réconciliation, parce que dans tous nos pays, les pays de l'Union africaine, il y a un besoin urgent de réconciliation. Même là où il n'y a pas de guerre sanglante. Il y a des dangers latents de déstabilisation à cause des iniquités, à cause de, des frustrations que les populations peuvent avoir, des frustrations qu'elles peuvent cacher longtemps, mais qui tôt ou tard peuvent surgir. Donc, la réconciliation est le lot commun de nous tous. La justice, elle est nécessaire parce que j'ai parlé d'iniquité. Et là où il y a iniquité, il faut rétablir la justice. Et la réconciliation elle-même ne, ne peut se faire que s'il y a justice, donc vérité. Et la vérité est nécessaire à la justice et la justice est nécessaire à la réconciliation. Et la paix est la résultante de tout cela. Tout cela, l'autre jour, on a pu parler d'une sorte de relation de type trinitaire. Parce que euh, ces trois éléments euh, constituent... Euh, 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 aujourd'hui en Afrique mmh. l'essentiel. Le, 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 Il faut s'y attaquer et arriver à trouver une solution. Alors, la particularité, Pierre Diarra le soulignait, pour des chrétiens, c'est que par le baptême, on devient enfant d'un même père. Ça doit nous aider à surmonter euh, les barrières de la famille euh, biologique ou du groupe de l'ethnie à laquelle on, on appartient, monseigneur. Tout à fait. Et l'eau du baptême devrait parler plus fort que le sang de l'ethnie. Nous devenons chrétiens par le baptême, ce qui veut dire que nous sommes tous des frères et des sœurs en Christ. Par notre appartenance à Jésus, nous devons nous aimer les uns les autres. De plus, quand nous allons communier au corps et au sang de Christ, qu'est-ce qui se passe le sang de Christ coule dans nos veines. Nous devenons des frères et des sœurs de sang. Ce qui veut dire que nous devons promouvoir la vie, la fraternité, l'amour entre nous et tout ce qui divise devrait être évacué de nos relations. Le sang des Africains a beaucoup coulé. Aujourd'hui, il faut qu'on se retrouve et qu'on fasse la paix. La paix par une véritable conversion, par la pratique de l'évangile en mettant Jésus-Christ au cœur de nos vies. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer, Père Ballon, par exemple, que dans les euh, conflits qui déchirent un certain nombre de pays d'Afrique, on en a vu survenir dans des pays qui étaient parmi les plus christianisés du continent C'est effectivement ça le paradoxe. Je dirais même euh, le paradigme. Euh, vous voyez, c'est aussi. Nous sommes au cœur du mystère de la croix. Vous prenez des pays comme le Rwanda et le, le Burundi. Mmh. Et deux pays qui venaient à peine d'être visités par euh, le serviteur de Dieu Jean-Paul II. J'étais de ces deux visites. Le pape était vraiment, était ravi de, de, de se trouver devant deux de peuples, de, 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 des communautés vivantes ou du moins apparemment extérieurement. Et après, est arrivé ce drame qui, que nous avons tous suivi et qui a interpellé d'abord ce drame du Rwanda, a interpellé les personnes d'eau qui, qui étaient réunis pour le premier synode africain. Effectivement, c'est la, la trop grosse mauvaise nouvelle. Mais curieusement aussi, il y a eu la bonne nouvelle des élections multipartisanes. La première fois dans un pays qui a vécu sous l'oppression, sous la tension de l'Afrique du Sud, qui venait de, 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 de dépasser un cap. De façon inattendue pour tout le monde. C'était la grande bonne nouvelle. Donc nous avons eu. C'est le mystère de la croix que nous vivons en Afrique. Donc il ne faut peut-être pas évacuer cette dimension de, de, du mystère de la croix au cœur même de la vie des sociétés africaines. Mais est-ce -ce, est qu'on réfléchit euh, quand même à des, à des explications euh, de sociologie ou de sociologie religieuse qui expliqueraient que, euh, bien que le christianisme soit profondément implanté dans ces pays, bah, ça ne devait pas être suffisamment profond pour que ressurgisse aussi violemment euh, ce type de conflit la vie chrétienne n'est pas un État. C'est un processus de conversion continuelle. Et donc, si on n'a pas réussi à intégrer cette dimension dans sa vie de tous les jours, eh bien, eh, on, est, on est tenté par ces sollicitations de part et d'autre. Vous voyez, effectivement, comment pouvez-vous imaginer que cette Afrique qu'on dit accueillante, cette Afrique solidaire, cette Afrique qui aime la vie, comment pouvez-vous expliquer qu'un pays apparemment chrétien, puissent arriver à ce point, jusqu'à avoir jusqu'à un million de, de tués, de morts, et des frères qui... De, 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 dans des familles. C'est ça, effectivement, le, le problème. Je pense qu'il y a aussi le problème que tout vient du cœur de l'homme. Vous pouvez être chrétien, mais si vous n'avez pas adhéré complètement à la, à, aux conséquences de votre vie chrétienne, ça ne va pas. Il y a un père synodal qui a justement souligné qu'au cours... De, 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 quand on, on se donne la paix au cours de la messe. Mmh. Il a souligné qu'il y avait des chrétiens qui allaient seulement donner la paix à des gens qui étaient originaires de leur région ou bien qui étaient leurs amis et ils évitaient de donner la paix à leurs voisins. Voilà la contradiction. Donc il faudrait que petit à petit, eh bien, chaque chrétien puisse vivre en cohérence avec sa foi. Vous ne pouvez pas réciter le Notre Père qui est aux cieux avec les autres. Sans en tirer les conséquences, puisque vous dites notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire que vous professez dans cette prière que vous êtes frère et sœur parce que vous avez un même Père qui est Dieu. Donc vous ne pouvez pas ne pas en tirer les conséquences dans la vie pratique. C'est pareil pour la communion, comme disait tout à l'heure Monseigneur. Vous mmh. ne pouvez pas communier au même corps et au même sang du Christ, le même, les, les mêmes éléments mystiques qui circulent dans votre corps et haïr votre prochain. Donc, c'est ce à quoi maintenant l'Église africaine doit travailler pour qu'il y ait une adéquation, qu'il y ait une cohérence entre la foi et la vie de tous les jours. Je crois qu'on y arrivera, avec la grâce de Dieu, bien sûr. Avec la grâce de Dieu, parce oui. que c'est ce que les pères synodaux ont, ont beaucoup souligné aussi, Monseigneur c'est que la réconciliation, comme la justice, comme la paix, ce sont d'abord des, des dons qui se reçoivent de Dieu. Des dons qui se reçoivent de Dieu. Il faut donc ouvrir son cœur pour recevoir ces dons qui constituent autant de moyens de grâce pour chaque chrétien. De telle sorte que nous prenions l'évangile plus au sérieux. De telle sorte que nous puissions prendre le Christ au sérieux. Et que nous puissions dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Comme l'a dit le Père tout à l'heure, c'est un processus de conversion permanente qui doit nous amener à devenir toujours meilleurs, disons, à devenir des saints. Mm. Et il y a un autre terme qui revient très souvent dans les travaux du synode, c'est le terme de famille. Alors on a parlé du rôle des familles, notamment vis-à-vis euh, -vis des jeunes et, et dans la société, de l'importance de préserver euh, la famille. Mais les pères synodaux emploient aussi beaucoup l'expression de l'Église comme famille de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous, nous développer un peu ça, monseigneur, s'il vous plaît C'est une ecclésiologie qui a été très exploitée au premier synode. L'Église comme famille de Dieu. Dans une Église où on se reconnaît comme membre d'une seule et même famille, on entretient des relations de proximité, de fraternité, des relations de partage, de solidarité, de telle sorte que l'autre n'est plus un étranger. C'est un, un autre moi-même, de telle sorte que les relations que j'entretiens avec cette personne sont des relations que le Christ voudrait que j'aie avec l'autre. Qui est mon prochain C'est celui que je dois aider. C'est celui que je dois accompagner. C'est celui que je dois soigner. Celui que je dois habiller. Celui que je dois visiter quand il est malade. Disons, devenir un autre frère pour celui que je rencontre. Devenir un frère pour celui que je. Pour devenir un frère. Pour celui que je rencontre, voilà ce que le Christ nous demande aujourd'hui. Ce qui veut dire accepter l'autre. Quel qu'il soit, quelle que soit son origine ethnique, quelle que soit son origine géographique, fait de lui un frère ou une sœur. Alors évidemment, on parle beaucoup des conflits, mais Monsieur Kodjo, il y a aussi un certain nombre de pays du continent africain euh, qui surmontent des périodes de conflits, qui parviennent à entamer des processus de, de réconciliation nationale. Est-ce que vous observez que dans ces processus, euh, les chrétiens et l'Église jouent un rôle actif, important, un rôle très important. On l'a vu en Afrique du Sud. Desmond Tutu n'est pas catholique, mais il est chrétien. On le voit dans d'autres pays, y compris dans le mien, le Togo, où le comité, la commission qui a été mise en place pour la réconciliation, la vérité et la justice est présidé par un des évêques du Togo, euh, le jeune évêque Nicodem Bariga, qui euh, s'est attaqué à ce problème fondamental, parce que le pays en question est un pays où depuis euh, très 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 longtemps il y a eu des divisions euh, acérées entre les gens, entre les hommes et entre les femmes. Et il faut, fallait donc que l'on trouve une structure qui puisse aider à aller de l'avant. Et cette structure lui a été confiée. C'est dire que nous avons un rôle fondamental à jouer. Et moi, pour revenir à quelque chose que vous disiez tout à l'heure, je voudrais dire que nous les chrétiens ne sommes pas des saints. Nous cheminons vers la sainteté, mais nous ne sommes pas encore des saints. Et euh, le chemin qui mène à la sainteté, c'est une sorte de chemin de la croix, où même le Christ est tombé trois fois. On tombe, il faut se relever. L'essentiel est de se relever. Il s'est relevé à, à, plus, à, à trois reprises et il a accepté de boire. Euh, D'accomplir ce sacrifice jusqu'au bout. Cette espèce de kénose, comme on dit dans la foi chrétienne, qui veut que le Fils de Dieu devienne le dernier des hommes et ait la mort la plus ignominieuse. Nous, chrétiens, nous devons être le sel de la terre. C'est pour ça que nous ne devons pas évacuer des structures comme les structures qui veulent faire la réconciliation, qui veulent prôner le dialogue, qui veulent que chacun vienne un peu se confesser. En se disant, oui, j'accepte volontiers que j'ai fait telle faute, telle faute, telle faute. Ça ne veut pas dire que la justice ne va pas sans doute passer dans certains cas, mais ça veut dire que déjà les conditions d'une véritable réconciliation sont posées. L'aveu est quelque chose de fondamental, et après l'aveu, il y a tout le reste. Donc. Euh, euh, nous sommes prêts à nous mobiliser davantage pour tout ce qui concerne euh, ces processus qui visent la paix en Afrique. Moi, je suis médiateur dans le conflit de Madagascar. J'ai été nommé envoyé spécial par la Francophonie et euh, j'ai accompli cette mission en ne procédant pas à une dissection de ma personne. Je sais que j'agis dans cette mission pour ramener la paix, mais que j'agis aussi en tant que chrétien. Et que ma foi chrétienne me donne l'assurance que Dieu est dans, nous trouverons une solution à la crise de mon il y a une autre question de, liée à la justice qui a été beaucoup abordée, c'est celle de la justice dans les rapports internationaux, dans les relations du reste du monde avec l'Afrique. On va en parler dans un instant. Déjà lors de sa visite en Afrique, précisément en Angola, dans la deuxième partie de ce voyage, le pape Benoît XVI, en s'adressant au corps diplomatique, avait évoqué la nécessité première de considérer les pays africains non seulement comme des destinataires, des aides internationales, mais surtout comme des partenaires. Écoutez. Le développement économique et social en Afrique requiert la coordination des actions gouvernementales nationales avec les initiatives régionales et avec les décisions internationales. Une telle coordination suppose que la, les nations africaines ne soient pas seulement considérées comme les destinataires de plans et des solutions élaborées par d'autres, les Africains eux-mêmes, en travaillant ensemble pour le Bien de leur communauté doivent être les premiers acteurs de leur développement. Père Joseph Ballong, c'est un thème qu'on a également entendu presque chaque jour au Synode. C'est la question de l'autonomie des pays d'Afrique, de la manière qu'on a de les aider en vérité ou au contraire parfois de les aider d'une manière conditionnée qui s'apparente à un impérialisme culturel. Oui, je crois que sur ce plan, il y a deux, deux, deux volets. D'abord, euh, beaucoup de pères Sinodo ont constaté que les populations africaines sont victimes de leurs richesses naturelles et minières. Les multinationales viennent les exploiter et ils en bénéficient et, et ces populations ne bénéficient nullement de ces ressources. Prenez la. Euh, l'exemple d'une région de l'Afrique de l'Ouest qui, qui produit beaucoup de pétrole mais malheureusement la, cette région qui regorge de ses richesses ne bénéficie même pas ni d'un dispensaire ni d'une école, ni de route et même pas de pétrole pour s'éclairer à la lampe ou est-ce que vous pouvez imaginer cela c'est quand même une injustice flagrante il faudrait que les populations africaines puissent être les premières bénéficiaires de leurs ressources naturelles et minières, qui est un don de Dieu à eux. Donc il y a cette responsabilité des multinationales qui, sans vergogne, exploitent sans tenir compte même de l'environnement. Pouvez-vous imaginer que ces populations ne peuvent même pas boire de l'eau potable, ne peuvent même pas avoir de l'eau potable parce que les, toutes les, les nappes phréatiques sont polluées par, par les extractions de pétrole. Donc il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect de l'aide dite internationale, bon, aussi bien de, des ONG, et les évêques ont souligné que nous souhaiterions que ceci se fasse dans un partenariat, dans un partenariat d'égal à égal. Mais là, ils ont souligné effectivement la cupidité des multinationales, mais aussi la complicité des dirigeants africains qui, dans leur contrat, ne tiennent pas compte des intérêts de leur peuple. Donc il y a eu cet aspect là. Et quand, pour ce qui concerne les organisations non gouvernementales qui viennent en Afrique, les événements souligné que certaines, sous prétexte d'aide humanitaire, ont des agendas cachés. C'est là aussi, ils Mais ont. Qu'est-ce qu'on entend par agenda caché, par exemple? Par exemple, vous avez un, une ONG qui vient promouvoir, soi disant, euh, la, la, le, le problème sur le problème de la santé utilisent des langages parfois cachés, la, la, la santé reproductive, qu'est-ce que ça veut dire si ça, Des fois, ça constitue simplement à stériliser massivement beaucoup de femmes, alors que c'est à leur insu. Donc, il y a, des, il y a des, organisations, des organisations non gouvernementales qui se livrent à ce genre de jeu et à ce genre de politique. Donc, ils ne dévoilent pas leur vrai... Objectifs. Donc, beaucoup d'évêques ont souligné cela qu'il faudrait que les organisations internationales et les ONG disent la vérité. Monsieur Kodjo, j'aimerais vous entendre sur ce sujet parce que vous avez vous-même travaillé dans beaucoup d'organismes internationaux. Vous avez le, le sentiment qu'ils euh, sont porteurs, beaucoup de ces organismes d'idéologie qui viennent s'imposer à l'Afrique oh, Sans doute. Mais ce qui est certain, c'est que l'Afrique aujourd'hui est quand même mature. Aujourd'hui, l'Afrique participe au G20. Le président de la Commission de l'Union africaine, mon, mon, mon lointain successeur, était assis à la même table que les grands dirigeants du monde et avec d'autres chefs d'État africains pour parler de l'Afrique. Les Africains veulent parler eux-mêmes de leur continent. Et n'entendent pas que ce soit d'autres qui viennent toujours parler du continent à leur place. Ils connaissent parfaitement leurs problèmes, leurs besoins. Ils ont été frappés par le fait que pour sortir de la crise qui a été créée de façon malsaine par des spéculateurs sans, sans scrupules, on est on on réussi à mobiliser des sommes astronomiques pour assainir la situation de banque et que le dixième ou le centième de ces sommes aurait suffi pour que l'Afrique progresse davantage. Donc, il est certain que les Africains entendent parler un autre langage avec leurs partenaires, un langage euh, de personne à personne, de personnes égales, qui veulent coopérer, travailler ensemble pour arriver à faire avancer un continent qui est une partie fondamentale de, de, de l'univers. Est-ce qu'on voit un peu le monde sans l'Afrique On voit mal, on imagine mal le monde sans l'Afrique. L'Afrique est au, au mi-temps du, du, du monde, au milieu du monde. Et euh, l'Afrique, par ses ressources, euh, s'impose d'emblée comme un continent d'avenir. C'est pour cela que dans les discussions que nous avons, nous devons toujours euh, avoir à l'esprit des projections d'avenir des perspectives d'avenir, et non pas tout simplement ce qui ne va pas dans le, dans, dans, dans le temps présent. Mmh. Aujourd'hui, il y a des tas de choses qui ne vont pas, mais il n'en demeure pas moins, et c'est l'avis unanime de tous les pères dos que l'Afrique demain sera un continent qui va beaucoup compter aussi. Mmh. Le deuxième marché aujourd'hui dans le monde, c'est le marché africain, a dit le rapporteur général, le cardinal Turkson après le marché chinois c'est le marché africain aujourd'hui là où nous sommes alors imaginez un peu dans 15 ans dans 20 ans euh, ce que sera le marché de l'afrique avec une population qui aura considérablement augmenté des ressources minières qui sont à la limite intarissable vous voyez ce que ça peut faire donc les organisations internationales elles ont leur politique elles ont leur schéma il faut coopérer avec parce que nous sommes dans la mondialisation, pour coopérer avec, mais il faut être lucide. Il faut coopérer, et discuter d'égal à égal, mmh. défendre fortement ce que l'on sait être le vrai et ce qui est bon pour son peuple et non pas ce que on veut vous faire croire qu'il est bon pour votre peuple. Et, monseigneur, défendre le vrai et ce qui est bon, euh, c'est aussi la préoccupation des évêques dans ces rapports euh, internationaux pour que ce qui est négatif, parfois, dans les cultures occidentales, ne soit pas imposé à l'Afrique. C'est peut-être ce que voulait dire le cardinal Népierre euh, et le cardinal Ndjoué hier en parlant d'impérialisme culturel. Oui, tout à fait. Et comme l'a rappelé M. et, et dame Kojo tout à l'heure, il faut être. Vigilant. Il faut que les, les Africains entretiennent avec le Nord des relations de partenariat. Il ne faudrait pas que l'Afrique soit un dépotoir des, des déchets toxiques, des déchets toxiques spirituels et de tout ce qui continuerait à pourrir l'Afrique. Nous devons considérer les Africains avec beaucoup de dignité. Ce sont des personnes humaines qui ont droit à tout ce qui peut les aider à valoriser leur culture. Et valoriser leur culture, c'est d'abord reconnaître leur humanité. Et reconnaître leur humanité, c'est leur dire, vous êtes des partenaires, nous sommes ensemble, avançons dans la même direction. Et c'est ce qui permettra aux Africains de, 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 de rencontrer les autres et de, de parler avec les autres avec euh, cette euh, objectivité qui leur évitera de considérer les autres avec un certain pessimisme ou avec une certaine méfiance, ce qui est le cas aujourd'hui. Et quand euh, une ONG arrive chez nous, on se demande quelle est son intention. Quand. Euh, des, des gros investisseurs viennent dans nos pays pour exploiter nos matières premières. On se demande si les licences signées ne sont pas une, une façon de détourner les richesses de l'Afrique au profit des, des, des investisseurs. Donc, nous, nous sollicitons un vrai partenariat avec les pays qui viennent chez nous pour nous aider à développer. Aucun devrait venir sur nous pour nous aider à nous développer. Et puis une prise en compte du réel potentiel de l'Afrique. Monsieur kojo vous le vous le souligniez il y a un instant. Il y a le potentiel économique qui est incontestable. Il y a le potentiel démographique aussi. Ce sont des pays jeunes et dynamiques. Puis il y a le potentiel spirituel. Et le pape Père Balong en a parlé à plusieurs reprises de ces qualités des cultures africaines, notamment dans le sens de la famille, dans le sens de Dieu aussi, c'est quelque chose qui peut permettre à l'Afrique de surmonter ses difficultés d'aujourd'hui. Je crois que c'est l'essentiel qui permettra à l'Afrique de surmonter ses difficultés, parce que une, un pays sans crainte de Dieu ne peut pas se développer. Il a souligné. Donc, il a effectivement admiré la profondeur religieuse de l'Afrique, et c'est cette spiritualité qu'il faut aider à à se développer et à ne, pas, à ne pas se perdre dans les contacts avec l'extérieur. Donc sans la foi profonde, sans la crainte de Dieu, je pense que nos sociétés ne pourront pas se relever. Parce que si effectivement le synode a choisi pour thème celui de la réconciliation, de la paix, de la justice, c'est vraiment titre. Si vous faites l'histoire, vous faites un panorama, Historique des pays africains depuis l'indépendance, vous n'en trouvez pas un qui n'a pas connu de difficultés, de tensions ou de guerres. Et donc, c'est toute l'Afrique qui a besoin de cette dynamique de réconciliation, de justice et de paix. Sans ces éléments, eh bien, l'Afrique ne pourra pas se développer. Et ce sont ces, trois, ces, trois, ces trois thèmes ne peuvent pas se, se comprendre sans se référer à la foi en Dieu. Je ne peux Qu'est ce qui m'oblige à me réconcilier ou bien à donner le pardon à telle ou telle personne si ce n'est pas ma foi et ma foi profondément chrétienne? Voilà, je pense que ce sont les valeurs chrétiennes qui doivent constituer le socle sur lequel l'Afrique pourra reconnaître, connaître plutôt sa renaissance. Merci beaucoup, Père Ballon. Merci, Monsieur Cojo. Un grand merci, Monseigneur, d'être venu partager vos réflexions avec nous. Alors, on rappelle que, eh bien, le 25 octobre, il y aura la messe de clôture de ce synode. La veille, les Pères synodaux remettront le fruit de leurs travaux au pape et puis on attendra d'ici quelques mois, un texte, comme après chaque synode, une exhortation apostolique post-synodale qui sera le texte à partir duquel, eh bien, on poursuivra ensuite les travaux dans les communautés Local. Merci infiniment à tous trois et aux équipes techniques de KTO. Très bonne soirée. À très bientôt.